Ahí ya está grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la mesa 3 del eje de sociedad digital de este vigésimo congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, que, como saben, lleva por título La educación y la formación frente a los grandes retos de nuestro tiempo, migraciones, sociedad digital y desarrollo sostenible. El congreso está organizado, como saben, también por la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, ambas. Mi nombre es Ariel Benazadag, saben ya que voy a coordinar esta mesa, que, como les decía, pertenece al eje Sociedad Digital. Me parece importante sostener como lengua de la mesa el francés, aun cuando la moderación va a ser realizada en castellano, en español. Y bueno, es importante en este sentido que sepan que entiendo algo de lo que dicen cuando hablan, pero apenas puedo hablar, así que voy a seguir hablando en castellano y trataré de entender del modo más íntegro posible sus presentaciones. Voy a también tratar de hacer un esfuerzo para poder habilitar el intercambio entre ustedes luego de la exposición de las 3 ponencias. Y también moderar, si es posible, las preguntas que hagan del público presente. Denme un minuto que me subtitulo. Ahí me estoy subtitulando por el chat. A modo de organización de los intercambios, justamente sugiero que utilicemos el espacio del chat, así como lo estoy haciendo ahora, para enviar mensajes traducidos o que puedan ser traducidos, pero también agradezco la disposición de Viviana para traducir lo que haga falta. Así que bueno, muchas gracias. También podemos ir por esa vía que es más cómoda que el chat. Como saben, la mesa cuenta con 3 exposiciones. A cada una le vamos a destinar como máximo 20 minutos. Cuando hayamos cumplido los 15 minutos, yo voy a avisar por el chat que quedan solo 5. Y es importante que sepan que la mesa está siendo grabada con acuerdo previo de los expositores. Vamos al orden de exposición, si les parece. Ay, no me digan que estoy poniendo en castellano al costado. Perdón. Disculpas. Ahí está en francés. Disculpas, lo había armado todo en francés y lo tenía copiado todo en castellano. Perfecto. Bueno, ahora sí. El orden de exposición va a ser primero Arnaud Dubois y Viviana Mankowski de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Lanús de Argentina, que van a presentar el trabajo titulado Apoyando a estudiantes de maestría y doctorado con herramientas digitales entre la presencia y la distancia. Luego, la exposición de Jean-François Grassin de la Université Lumière-Lyon-2 y el Laboratoire ICAR, que presentará el trabajo titulado Formarse en investigación en un seminario de doctorado poliartefáctico, creo que se traduce esa última palabra. Y Kwok Wah Chau Chau de la Universidad de Costa Rica, que va a presentar el trabajo titulado El impacto de la retroalimentación ofrecida por pares a través de blogs y de la retroalimentación de pares capacitados en la precisión y calidad de la escritura en la enseñanza de una segunda lengua. Y ahora, antes de empezar, quería sumar esto, que es un comentario general a partir de lo que fui leyendo de sus resúmenes. Sí, creo que la lectura de los títulos y de los resúmenes de las ponencias dejan claro que el tema por el cual nos vamos a interrogar, particularmente en esta tercera mesa del eje de sociedad digital, es perdón, la enseñanza a distancia mediada por diferentes medios digitales. Pienso en este sentido que los 3 trabajos van a presentar experiencias disímiles pero convergentes y que nos van a permitir conversar en torno de la tensión entre presencia y distancia, por ahí tal como la mencionan Viviana y Arnaud en el título de su ponencia. Así que si les parece, comenzamos con
su trabajo. Bien. Bonjour à tous, à toutes. Le titre de notre communication est accompagner des étudiants de master et de doctorat avec les outils numériques, en lien entre présence et distance. D'abord, nous tenons à remercier les organisateurs et organisatrices de ces congrès pour leur ténacité et pour leur travail qui nous permet de faire cet exposé aujourd'hui. Nous voulons partager deux remarques liminaires. D'abord, nous présentons ici un travail en cours dont nous espérons qu'il pourra susciter des échanges. Deux, depuis le moment où nous avons rédigé notre proposition de communication, notre projet de recherche a été modifié. Nous avons élaboré le résumé de notre proposition de communication à l'automne de 2019, c'est-à-dire avant le début de la pandémie mondiale de COVID-19. Nous envisagions alors l'accompagnement à distance en dehors de ce contexte. Aujourd'hui, il est évident qu'il est impossible de penser cette question sans faire référence à cette période inédite qui a été marquée notamment pour le recours massif à l'enseignement à distance. La situation que nous vivons ici et maintenant de faire cette présentation à distance avec vous est en illustration. Dans cette communication, nous allons nous centrer sur la question de la présence dans les liens d'accompagnement à distance, à propos de l'accompagnement des étudiants et des étudiantes de master. Dans une première partie, nous allons préciser notre conception de l'accompagnement et l'approche théorique dans laquelle nous nous situons. Ensuite, nous présenterons des vignettes cliniques, chacune étant suivie de la formulation des premières hypothèses pour éclairer ces deux situations. Alors, dans une première partie intitulée « Une approche clinique du lien d'accompagnement », comme l'a dit Viviana, nous allons préciser notre conception de l'accompagnement. Notre objet d'étude porte sur la place du numérique dans les pratiques d'accompagnement des étudiants de master dans le cadre de leur formation à la recherche, en référence notamment à un livre dirigé par Viviana Mankowski avec Moreno Bayardo, c'est ça, hein, Viviana, en 2015. De nombreux travaux de recherche en sciences de l'éducation portent sur l'accompagnement selon une perspective clinique, notamment sur la formation des chercheurs au niveau du doctorat. Donc, il y a des travaux sur les notions d'accompagnement, mais en fait, assez peu sur la question de l'accompagnement à l'écriture de recherche au niveau master et doctorat. Je peux citer Blanchard Laville, mais aussi Mireille Sifali. Le terme d'accompagnement, tel qu'il est mobilisé ici, pour nous, désigne un processus intersubjectif dans lequel l'accompagnateur, le tutorat étant une forme d'accompagnement, l'accompagnateur est lui-même inclus. Dans la perspective clinique qui est la nôtre, nous nous inscrivons pour cette communication. Accompagner signifie qu'on ne maîtrise pas le processus d'accompagnement. Pour les chercheurs cliniciens, ce processus est généralement examiné a posteriori, lorsqu'il est terminé, ou au moins très engagé, c'est-à-dire après en avoir fait l'expérience. C'est ce que nous faisons ici avec vous en nous ressaisissant a posteriori des traces écrites laissées par ce processus d'accompagnement qui ne peut être saisi dans son intégralité tant il engage de multiples dimensions entremêlées. Pour Bernard Pechberti, je cite, « Le véritable objet de l'accompagnement est un processus intersubjectif dans lequel on est soi-même inclus. » Pour Bernard Pechberti, accompagner signifie alors qu'on ne maîtrise pas le processus, mais qu'on soutient ses conditions de possibilité. On assume une position, une place, à partir d'un savoir qui ne donne aucune garantie de réussite, mais qui s'appuie sur une expérience. Plus précisément, la clinique se caractérise comme une relation en situation visant la co-construction de sens avec les sujets participants. Florence Juste des Prairies considère, je cite, que la démarche clinique pose comme objet la coprésence, c'est-à-dire que les contenus, ce dont on parle, sont parlés à l'intérieur d'une rencontre dans laquelle chacun est mis en risque. Alors, comment construire cette coprésence par le biais du numérique ? Que se passe-t-il dans une rencontre à distance visant la co-construction du sens
en dehors d'une présence en face à face. Quelle est la nature du lien d'accompagnement à distance? Ce sont ces questions dont nous voulons nous saisir en partie dans cette présentation. Notre recherche porte sur nos pratiques d'accompagnement d'apprentis-chercheurs dans le cadre de formations universitaires en Argentine et en France. Dans notre démarche clinique de recherche, les dispositifs de formation que nous mettons en œuvre sont aussi des dispositifs de recherche et des dispositifs de recueil des données. Le matériel recueilli pour cette recherche est constitué de différentes traces collectées par nous, journal de bord, email échangé avec les étudiants, éventuellement les textes écrits et échangés avec les étudiants, les chapitres qu'ils nous envoient, etc. Ces différentes traces, au sens de la trace historique presque, sont le support de la rédaction de vignettes cliniques ou de textes de nature monographique faisant le récit d'accompagnement et rédigés dans l'après-coup. Sur le plan méthodologique, ces textes sont à mi-chemin entre vignette clinique et monographie d'accompagnement. Nous n'avons pas le temps de préciser en détail ce point dans le cadre de cet exposé, mais nous pourrons éventuellement y revenir lors de nos échanges. Dans cette communication, donc, nous allons présenter deux textes qui feront l'objet de premières réflexions. Premièrement, un texte sur l'accompagnement à distance d'une étudiante d'un master en enseignement supérieur en Argentine que va présenter Viviana sous la forme accompagnement qui a pris la forme d'un encadrement de mémoire de recherche qui a commencé en présence avant la pandémie avec des rencontres en face à face, puis un suivi en ligne à partir du premier confinement de mars 2020 et actuellement les rencontres ont repris en présentiel. Un deuxième accompagnement, une deuxième vignette, un accompagnement à distance d'une étudiante de master en France à l'Université de Rouen, Normandie, où je suis enseignant-chercheur, accompagnement dans le cadre d'un master aussi, sous forme hybride, avec la majorité de la formation qui a lieu à distance. Nous présenterons plus en détail ces dispositifs de formation. Cette formation à Rouen avait commencé avant la pandémie et s'est poursuivie après mars 2020. Donc, dans les deux cas, dans les deux vignettes, il s'agit d'accompagnement dans l'écriture d'un mémoire de recherche qui a été perturbé par la pandémie de COVID-19, comme on va le préciser dans nos vignettes. Viviana, je te laisse la parole. Oui. Et de ma part, je vais présenter une vignette intitulée Karina. Mon récit se centre sur la réflexion et les questions que je me pose à partir de mon expérience d'accompagnement dans le cadre de la réalisation d'une thèse de master en enseignement supérieur de l'Université de Buenos Aires d'une étudiante que j'ai choisi de nommer Karina pour préserver son anonymat. Pour écrire ce texte, j'ai pris appui sur les emails échangés avec elle et sur les textes intermédiaires qu'elle m'a envoyés en tant que brouillon de chapitres de sa thèse et qui ont fait objet de mes commentaires et de mes corrections. Plus précisément, j'ai repris les messages échangés depuis les premiers contacts jusqu'à plus récent. Ce premier contact qui a eu lieu pour courrier électronique, qui contient la présentation personnelle de Karina et sa demande particulière d'accompagnement, jusqu'au dernier échange, le plus récent, centré sur l'analyse des données et l'écriture proprement dite de la thèse. Il s'agit ici d'une forme d'analyse de la pratique de l'accompagnement à partir des traces, au sens historique du terme, laissées par cette activité. Très rapidement, je voudrais décrire le cadre institutionnel dans lequel Karina a suivi sa formation. Le master en enseignement supérieur dépend du secrétariat académique de la UBA et il a le soutien de l'Association des enseignants des universités nationales ADUBA. Il s'est développé en présentiel, mais il est proposé à distance depuis l'année 2021. Les conditions pour suivre cette formation sont les suivantes. Il faut avoir un diplôme universitaire de 4 années de formation et être enseignante universitaire de la UBA. Pour obtenir ce master, il faut valider tous les séminaires prévus dans les plans d'études et déposer une thèse académique qui doit être soutenue publiquement devant un jury. La thèse exige un travail de recherche présenté dans sa mémoire qui comprend entre 80 et 200 pages. L'étudiant doit être accompagné par un directeur de recherche qui peut être professeur dans les masters ou externe à l'institution.
Dans ce dernier cas, il doit être accepté par le comité académique du master. Dans ce cadre formatif, je suis la directrice externe. Karina a suivi tous les séminaires obligatoires du plan d'études. Au moment de définir son directeur, elle a consulté un professeur du master en fonction de son centre d'intérêt, l'évaluation informelle dans la classe universitaire. Ses collègues lui ont proposé de me contacter sans me connaître. Le point de rencontre a été la lecture de mon livre intitulé, je l'ai dit en espagnol, La palabra del maestro, évaluation informale de l'interaction en la classe, publié dans l'année 2011. Le 25 avril 2018, j'ai reçu un premier courrier dans lequel Karina se présente et fait référence à la recommandation de son professeur. Elle m'envoie également un document joint présentant son projet de recherche. Elle écrit « Dans ce moment, et par recommandation du professeur X, je cherche un directeur pour pouvoir avancer avec ma recherche. En prenant compte de votre trajectoire académique et de votre production théorique sur l'évaluation informelle, je voudrais vous proposer la direction de ma thèse. Pour cela, je vous adjoins une note d'intention avec mon sujet d'intérêt et je reste à votre disposition pour organiser comment continuer. Je vous remercie par avance de votre prédisposition et de votre aide. » A posteriori, la manière dont Karina a formulé sa demande est source d'étonnement pour moi. Il s'agit d'une proposition sans me connaître. Je suis très étonnée par sa demande, par son positionnement et pour son audace. Enfin, en utilisant le verbe « proposer », Karina ne me demande pas si j'accepte d'être sa directrice. Elle me propose la direction de sa thèse. Il s'agit plutôt d'une invitation, presque d'une inversion de la demande. Alors que généralement les étudiants s'adressent à moi pour me demander si j'accepterai de diriger leur travail, Karina me les propose. On pourrait penser qu'elle me connaissait les formalités et les usages académiques. C'est peu probable, car elle est déjà insérée dans la vie universitaire. Aujourd'hui, avec le recul du temps, lorsque je relis son message, je constate qu'il est très formel et respectueux. Les échanges en présentiel qui ont suivi ces premiers contacts ont toujours été sur cette tonalité et cet style. Une autre caractéristique de ces premiers contacts à distance, en ligne, découle de la première de sa note d'intention. Je trouve une écriture très agréable, un style qui invite à lire. Aujourd'hui, c'est un point central pour définir sa thèse. Trouver le style d'écriture entre un ton plus personnel, plus littéraire, et un ton plus académique, plus objectif, impersonnel, rigoureux. Actuellement, nous travaillons ensemble sur cet aspect lorsque Karina se consacre à l'analyse des données et parallèlement à l'écriture de sa thèse. Dans cette étape d'écriture, les échanges se sont intensifiés, les corrections des brouillons des chapitres se succèdent pour aller vers la version finale de sa thèse. C'est alors que nous sommes dans ce moment de l'accompagnement et avec le recul de plusieurs mois que je peux élaborer quelques réflexions et questions en lien avec des élaborations psychiques personnelles. D'abord, je vais signaler la continuité de ce sentiment d'enthousiasme initial, de la présence et de la vitalité de Karina face à son projet de formation depuis ses 4 années parcourues. Dans cette période, elle a donné naissance à son premier enfant en avril de 2020, dans la période du confinement lié à la pandémie. En réalisant tous les emails échangés avec elle, je trouve une continuité de sa motivation soutenue et explicite tout au long de ce thème-là. Particulièrement dans les courriers avec lesquels elle m'envoie les brouillons d'un premier chapitre, elle écrit « Finalement, le jour est arrivé. Je me permets de t'envoyer un premier chapitre de thèse. Je sais bien qu'il y aura des allers-retours, mais il a déjà le format chapitre. Et pour moi, c'est un moment très important et je suis très émue et aussi très motivée. »
Je me pose la question de mon identification à Carina qui me rappelle à ma propre formation de master et de doctorat en France, avec l'adversité liée à ma situation d'alors d'étudiante étrangère. Je me souviens de mon intensité pour soutenir mon projet dans le temps. Malgré tout, n'ai pas abandonné. Je pense aussi à mon projet de formation où j'ai été mère de ma deuxième fille et j'ai pu poursuivre. Trouver une place pour mon projet, même en sachant que le temps passe. Malgré les contraintes, je voulais finir. J'étais déterminée comme l'est Carina. Pour ce qui concerne l'accompagnement dans l'écriture, je reconnais un style personnel de faire la révolution des textes envoyés de Tessard en tant que chapitre brouillon. Je sens que je dialogue avec leur écriture. Il faut dire d'ailleurs que cela me prend beaucoup de temps. Parfois, je me trouve dans la situation d'éclaircir préalablement la quantité de marques que j'ai faites au texte lu. C'est un trait toujours présent dans ma façon de commenter la lecture des travaux reçus. Dans le cas particulier de Carina, en travaillant de façon présentielle son premier texte en format chapitre, je lui ai dit quelques commentaires oralement avant de lui montrer son texte imprimé surchargé par mes commentaires. Et c'est elle qui me rassure en me disant de ne pas m'inquiéter, me disant que c'est génial ma façon de lire en détail et qu'elle sait que mes critiques font avancer son écriture. À un moment donné, elle me dit que je me sens touchée. Je reste en pensant ces commentaires. Je ne dis rien. Je les garde dans ma tête. Je ne me sens pas un instinct. Ça y est, la connexion? Ça va? Je les garde dans ma tête. Je ne me sens pas un instinct. Après coup, je m'interroge sur ma façon de lire en écrivant les textes d'un autre. Mireille Sifali considère que cela peut être interprété par l'accompagné comme un geste violent de la part de celui ou celle qui dirige une thèse. Alors, je pense à ma situation de Tessard où je recevais mes brouillons d'écriture sans aucune marque. Je regardais feuille après feuille et je ne trouvais rien. Je recevais des commentaires oraux de mon directeur. J'ai trouvé ici une possible interprétation sur le sens que je donne à mes marques sur le texte de Tessard. En réaction à mon vécu comme Tessard, j'offre aujourd'hui à Carina ce que j'aurais aimé lire sur mes propres brouillons. Nous allons maintenant passer à la présentation de la deuxième vignette d'Arnaud. Je vais couper un peu pour gagner du temps, mais je pense qu'on va déborder un peu les 20 minutes, Ariel. Pas beaucoup, mais un peu, quelques 3 minutes peut-être. Vamos a pasarnos unos 3-4 minutos, Ariel. Je vais présenter un tutorat mis en place dans le cadre d'un Master 2 international francophone en éducation et formation qui est mis en place à distance à l'Université de Rouen. C'est une formation hybride avec un regroupement par an, chaque année 2 jours de regroupement au mois de septembre. Je vais décrire brièvement un tutorat que j'ai mis en place pour un petit groupe de 3 étudiantes en me centrant particulièrement sur une étudiante que j'ai choisi de nommer Catherine pour préserver son anonymat. La première séance de tutorat en groupe, en petit groupe de 3, a eu lieu le 10 janvier 2020. C'était avant le début de la pandémie, enfin le début de la pandémie, en tout cas avant le premier confinement qui a démarré en France en mars 2020. J'ai présenté alors les modalités d'accompagnement que je propose aux étudiantes. Chacune s'est présentée. Les 3 étudiantes ont énoncé le sujet sur lequel elles envisageaient d'effectuer leur recherche. Il s'agit d'un accompagnement dans le mémoire de recherche. Catherine a alors émis le souhait de travailler sur l'instruction en famille, qui est un sujet qui monte dans les recherches en éducation et formation en France depuis presque une dizaine d'années. Auquel elle est très sensible. Elle avait déjà formulé sa note d'intention, c'est le nom du document qu'elle avait, enfin l'intitulé du document qu'elle avait à rédiger. Elle avait déjà énoncé ce projet de travailler sur ce qu'on appelle l'IEF, c'est-à-dire l'instruction en famille. En relisant mes mails échangés avec elle aujourd'hui pour préparer cette communication,
je réalise qu'elle m'a sollicité très tôt, dès le mois de novembre 2019, c'est-à-dire en amont de ce premier rendez-vous en ligne. Elle m'avait sollicité pour avoir un retour, un commentaire sur son premier écrit, qui normalement ne devait pas faire l'objet d'un commentaire. Le 14 novembre, elle m'a adressé une bibliographie déjà très fournie sur son sujet pour me demander déjà aussi un avis sur son travail. Elle me sollicite beaucoup. Ensuite, le 24 décembre, à 16h21, 24 décembre, jour de Noël, elle m'adresse un message précisant sa question de recherche. Et relisant mes mails, je constate que je lui ai répondu le 27 décembre, alors que généralement, je ne réponds pas à ce type de demande pendant les périodes de congé. Je ne réponds pas avant le début du mois de janvier. J'ai été surpris, comme si j'avais été pris dans quelque chose qui m'avait un peu engagé au-delà de ce que je fais habituellement ou de ce que je voulais faire. Elle a ensuite réalisé un premier entretien de recherche dès le mois de février, ce qui est assez prématuré dans cette formation, où généralement, il y a une période correspondant à ce que Claudine Blanchard-Laville appelle l'errance de recherche du sujet pendant plusieurs mois, et ensuite, généralement, ils se mettent au recueil de données la deuxième année. La deuxième séance de tutorat en groupe a eu lieu le 10 avril 2021, après le début de la pandémie, enfin après le premier confinement, pardon, enfin après pendant le premier confinement. Nous avons commencé la séance de travail par un échange sous la forme d'un quad neuf sur la situation du moment. Chacune des étudiantes a exprimé la manière dont la crise Covid modifiait son quotidien et aussi les difficultés pour trouver le temps et les espaces pour continuer à travailler. Catherine a plusieurs enfants qui sont à la maison, dont une petite fille qui est née à la fin de l'année 2019. Après cette date, après le 10 avril 2020, Catherine a toujours été présente pendant les séances de tutorat avec sa fille. Soit cette dernière faisait irruption en se réveillant pendant nos séances de tutorat, soit plus tard, alors qu'elle grandissait, elle s'approchait de l'écran, curieuse, montée sur les genoux de sa maman pour observer, pour écouter nos échanges. La troisième séance a eu lieu en juin 2021. Ensuite, Catherine m'a sollicité pour 3 entretiens individuels en ligne via un outil de visioconférence pour des retours sur des écrits de travail pendant le premier semestre 21. Elle a soutenu son mémoire en septembre 21 en présentiel à l'Université de Rouen. C'était la première fois que je la voyais en présence pour la soutenance. Alors, après ce rapide récit que j'ai écourté, je veux m'attarder sur un point. Il s'agit de la présence à distance de Catherine avec son enfant pendant nos séances de tutorat. Son choix d'être présente dans ces séances avec sa petite fille, d'abord un bébé que j'ai vu grandir, bien sûr, son choix est lié au contexte. Les confinements ont aboli les limites entre les sphères professionnelles, personnelles, la sphère familiale, et nous a imposé de vivre généralement dans un seul lieu, le lieu familial. Cependant, a posteriori, je réalise que je n'ai jamais vu ou entendu les autres enfants plus âgés, les enfants de Catherine, pendant nos séances d'accompagnement. Par ce choix, Catherine se présente à moi comme une mère. À plusieurs reprises, je lui ai fait remarquer que, d'ailleurs, nous étions 3 pendant ces séances et qu'il nous fallait être vigilants à nos propos, car sa fille nous entendait, alors que nous parlions justement de l'instruction en famille, qui était son thème de recherche. La présence de la fille de Catherine, qui parfois nous faisait bien entendre qu'elle était présente, a infléchi vraisemblablement les enjeux transférentiels dans la relation entre Catherine et moi. De mon côté, je me suis senti parfois sur une position paternelle, voire potentiellement de grand-père. Nous étions ainsi 3 générations en présence, à distance. Je dois ajouter que cette situation m'a potentiellement renvoyé à mon passé d'étudiant, moi-même accompagné par des femmes d'ailleurs dont je savais qu'elles étaient mères. Que ce soit ma directrice de mémoire de maîtrise et de DEA quand j'étais étudiant en histoire, jeune étudiant qui me recevait chez elle pour nos séances de tutorat, dans un bureau depuis lequel on entendait parfois des entrées et des sorties de son appartement parisien. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de sa fille qui était elle aussi étudiante et qui entrait et qui sortait de l'appartement, que j'entendais et que je ne voyais pas, à la différence de ce qui s'est passé pendant ces accompagnements en ligne. Plus tard, j'ai été accompagné pendant ma thèse par une autre femme qui était mère et devenait elle-même grand-mère au moment où elle dirigeait ma thèse, moment où moi-même, je devenais père de famille. Mais ces enfants qui changeaient nos positions générationnelles respectives à la directrice de mémoire et à moi en tant qu'étudiant n'étaient pas visibles pendant les séances de tutorat. Ils pouvaient être présents d'une certaine manière dans nos discours, mais en tout cas, ils n'ont jamais été visibles. Je ne suis jamais allé en séance de tutorat chez ma directrice de thèse avec mes enfants petits, par exemple.
différence avec ce qui peut se passer à distance. Ce qui me semble très inhabituel ici, c'est la présence de la petite fille que Catherine me donnait à voir et à entendre pendant ses séances de tutorat. Pour terminer, dans le sens des premières élaborations psychiques de mes éprouvées contre-transférentielles dans cette relation d'accompagnement à distance, je me demande si la présence de ce bébé, qui devient progressivement une enfant pendant ces séances, ne m'a pas aussi renvoyé à ma propre relation avec un moi bébé et potentiellement avec ma mère. Pour nos séances de travail, nous utilisions une plateforme avec laquelle je pouvais voir l'image de Catherine avec sa fille, un peu à l'image de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je pouvais la voir dans son environnement personnel, mais je voyais aussi mon image. Cette image fonctionnait peut-être un peu comme un miroir diffracté, me renvoyant à la fois ma propre image de moi dans le ici et maintenant de l'accompagnement, moi professeur d'université, et peut-être dans le transfert à une image de moi parent à laquelle j'ai pu m'identifier, et peut-être aussi à l'image d'un enfant qui pouvait m'en rappeler bien d'autres, à la fois les miens, puis potentiellement l'enfant que j'ai été. Ces effets de miroir prenant place dans une période de confinement qui, par certains égards, était assez régressive dans la mesure où nous nous retrouvions confinés dans des logements, généralement logements familiales, dépendant de l'extérieur, un peu à l'image du petit enfant dépendant de sa mère. Cette phase régressive a été décrite d'ailleurs par des collègues de psychologie à propos du confinement. Il me semble qu'on peut le mettre en relation avec cette situation que j'ai décrite tout à l'heure. Ce sont bien sûr des premières élaborations qui mériteraient d'être approfondies, mais aujourd'hui, il semble bien que ces enjeux peuvent être mis en lien avec la question de la présence à distance dans le lien d'accompagnement. Viviana, ton micro est éteint, je crois. Pardon. Ouais. Pour finir, deux dernières idées, des questions. La première, les dispositifs d'accompagnement que nous mettons en place correspondent en partie aux deux moments identifiés par Claudine Blanchard-Laville dans la réalisation d'une thèse. Une première étape assez errante consacrée à la définition d'un objet de recherche et la sélection des lectures et antécédents. Une seconde, plus courte, comprend la réalisation proprement dite de la recherche et particulièrement l'écriture de l'objet thèse. À ce moment, les rencontres s'intensifient afin d'avancer vers les différents chapitres, vers la version finale de l'écrit. Deuxième idée. Plusieurs pistes de réflexion restent ouvertes pour nous au terme de cette présentation. Nous en citerons deux seulement. Dans l'accompagnement qui se déroule en présence ou à distance, la présence dans les liens n'est jamais assurée. Elle est toujours le résultat d'un travail de part et de l'autre. La posture d'accompagnement doit favoriser une forme de présence qui peut faire l'objet de temps d'élaboration avec les étudiantes. Accompagner dans le sens clinique consiste en un travail avec un autre à partir d'un travail avec soi-même, c'est-à-dire prenant en compte la subjectivité. Sur le plan théorique, le recours à la notion de médiation peut penser cette question de la présence dans les liens nous semble contenir des potentialités pour penser. Dans l'accompagnement à l'écriture à distance, avec les outils numériques, il s'agit d'une double médiation, celle de l'outil numérique et celle de l'écrit. Les apports des travaux développés en psychologie sur les dispositifs à médiation pourraient nous aider à penser ces enjeux. Merci de votre écoute. Et désolé d'avoir un peu débordé ce qu'on s'est autorisé parce qu'on n'était que trois communicants au lieu de cinq, en fait. No hay problema. Bueno, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Arnaud. Pasamos, si les parecen, las preguntas al final de las tres exposiciones, como decía al principio. Así que... ¿Cómo le cuestiona la fan? Ahora vamos con la segunda presentación de Jean-François Grassen, que se titula Formarse en investigación en un seminario de doctorado poliartefáctico. Estás silenciado, Jean-François. Oui. Partager ma présentation, si je la trouve. Je
C'est pas ça que je veux vous présenter, mais j'ai pas réussi à trouver le moyen de présenter plus proprement. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, très bien. Bien, donc je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque et ceux de cette table ronde pour me donner l'opportunité de présenter ce travail après ce long temps d'attente, et je suis particulièrement heureux de le faire avec vous. Celui-ci, ce travail, rencontre un projet de recherche collectif Présence numérique, qui est une recherche réflexive conduite dans un séminaire doctoral centré sur les interactions multimodales par écran. Il s'agit d'un séminaire interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs en sciences du langage, en sciences de l'information et de la communication et en sciences de l'éducation. C'est l'aboutissement d'une des questions du groupe de recherche que je présenterai ici. La question de l'accompagnement des doctorants dans leur appropriation des connaissances à la fois disciplinaires et scientifiques, méthodologiques et techniques est cruciale. Le monde de la recherche fait de plus en plus appel à la technologie et il apparaît nécessaire de se poser la question des compétences construites en interaction par ces acteurs. Notre communication se propose ainsi d'étudier un séminaire doctoral artefacté et d'étudier en quoi sa dimension socio-technique permet de construire des savoirs et des compétences numériques de manière critique, favorisant des usages complexes des technologies. Nous nous intéresserons ici à la façon dont les interfaces comme Adobe Connect et les robots de téléprésence, BIM et QBI en l'occurrence, modifient les processus nécessaires à la collaboration dans une situation de travail qui implique la présence de personnes à distance. Il s'agit de comprendre ce que change l'imprégnation digitale de nos manières de faire et d'étudier le potentiel de ces situations artefactées pour la formation de chercheurs et de professionnels. La formation doctorale est une situation de formation expérientielle, largement informelle et peu structurée. Avec Austin, nous l'envisageons comme un processus de socialisation au métier de chercheur, lors duquel le ou la doctorante s'approprie une culture disciplinaire. Le séminaire est l'un des lieux d'activité où ce processus d'acculturation et de socialisation se réalise. Mais peu d'études, me semble-t-il, ont encore été menées sur les compétences acquises et les connaissances sur la nature des expériences qui favorisent l'apprentissage des étudiants et leur identification au rôle de chercheur sont encore limitées. Nous avons saisi l'occasion de la mise en place du projet Présence numérique au sein du séminaire doctoral mené par ma collègue Christine Develotte à l'ENS de Lyon pour questionner cette forme de travail collectif en tant qu'espace de formation. Plusieurs séances d'un séminaire polyartefacté qui a eu lieu à l'ENS de Lyon ont été enregistrées par un système de caméras et de capture d'écran. Le corpus ainsi constitué de vidéos multivues de la salle de séminaire et des participants à distance, ainsi que d'entretiens a posteriori. Dans les images que je vous montre à l'écran, nous voyons ici les environnements et artefacts utilisés, l'interface web Adobe Connect et les robots de téléprésence BIM sur pied roulant et QBI, une espèce de support articulé pour tablette numérique. Les deux images illustrent aussi deux des multiples configurations matérielles dans lesquelles s'est déroulé le séminaire au fur et à mesure de ces séances. Comme le montre le schéma un petit peu dense, je m'en excuse, au centre de ma diapositive, dans le projet Présence numérique, le déroulement du séminaire polyartefacté devient l'objet même de ma recherche. Ce projet implique de nouvelles modalités de participation au travers, 1, de la mise en place d'un dispositif de recherche instrumenté et 2, d'une recherche autoréflexive. À partir du repérage des traces d'investissement tirées des données vidéo récoltées pendant les séminaires, et des entretiens qui ont suivi, nous examinons ici en quoi l'expérience de ce séminaire polyartefacté, en mettant les doctorants en situation de collaborer à un projet de recherche, leur permet de développer certaines compétences professionnelles et réflexives. Peu d'études ont encore été menées sur les compétences acquises durant la formation doctorale. Synthétisant des travaux récents, Claire Bonnard et Jean-François Giret choisissent de retenir 5 grandes catégories de compétences. Donc les compétences scientifiques, les compétences, les compétences organisationnelles, les compétences interpersonnelles, les compétences en gestion de projet,
et les compétences, pardon, j'ai placé ma diapositive, et les compétences pour résoudre des problèmes imprévus. Nous, dans notre situation spécifique, il nous semble nécessaire d'ajouter les compétences de communication, les compétences de collaboration et les compétences sémiotechniques liées au dispositif Artefact. La situation d'apprentissage que nous examinons est selon nous une situation fortement collaborative. Selon Baker, l'activité collective comme le séminaire implique des zones ou des moments de collaboration, de coopération et de coordination au travers de la constitution d'une équipe de travail. Pour Bedwell et ses collègues, la collaboration est définie ainsi, comme un processus en évolution par lequel deux ou plusieurs entités sociales s'engagent de manière active et réciproque dans des activités conjointes visant à atteindre au moins un objectif commun. La collaboration est un processus donc émergent et actif, dynamique et en constante élaboration. Je vous propose dans cette capture d'écran une illustration de ces différentes zones de collaboration et de coopération en œuvre dans notre séminaire. Deux personnes, Morgane et Julien, ici cerclées de rouge, utilisent leur téléphone cellulaire pour régler le champ de la caméra, également cerclée en rouge. Et cette caméra se trouve sur la table à proximité du robot. Ils construisent un espace de coopération en présentiel, alors même qu'un autre espace de collaboration s'élabore, représenté par le triangle bleu, qui montre le reste des membres du groupe qui échangent, dont une partie à distance. L'espace de travail du séminaire accepte une multi-activité régie par deux espaces d'activité en parallèle, qui reposent tous les deux sur une vigilance attentionnelle particulière à chaque espace. Le premier espace relève de la coopération en ce qu'il est un processus de contribution volontaire à l'accomplissement de l'activité collective conjointe. Le second, quant à lui, renvoie à la collaboration, qui se caractérise par la communication entre les acteurs autour d'une tâche commune. Cette image, donc, illustre l'enchevêtrement des espaces de communication et d'interaction synchrone impliqués dans l'action collective. En effet, si les deux activités se déroulent en parallèle, elles appartiennent à un seul et même script, celui du séminaire. La multiplicité des espaces produits est source de complexité et impose parfois la multi-activité, mais elle peut également être la source de cadres participatifs plus variés que dans une configuration classique de séminaire. La situation de collaboration nous permet d'étudier la place que prennent dans l'activité collaborative du séminaire les doctorants de l'équipe et l'éthos qu'ils se construisent. En effet, nous partageons l'idée de Green que le doctorat porte autant sur la formation de l'identité que sur la production de connaissances. Dans ce travail, nous retiendrons la définition de l'éthos professionnel que propose Anne Jorot. La manière dont la personne organise son rapport au monde professionnel, comment il définit et redéfinit son aire d'action au regard d'une approche déontique de l'activité. L'acquisition d'un éthos professionnel est un processus social de construction de l'identité par l'acquisition de certains rôles. Mais nous distinguons le rôle de la posture. Selon Jorot, autant le rôle est quasiment défini à l'avance, et impose un type de comportement, autant la posture consiste en une identité agile, adaptée au contexte. Les postures sont dynamiques, elles évoluent en fonction du contexte construit par les attentes, les motivations et les actions des autres, mais aussi de la façon dont l'individu met en scène ses intentions et réagit à ce que les autres apportent dans l'interaction. Les doctorants participant à la recherche sont au nombre de 4. Dans l'image que vous voyez à l'écran, je vous les présente, ça me permet de les présenter. Donc, Yi-Gyong est en première année, était en première année à l'époque de notre recherche au laboratoire ICAR et il participe in situ à l'activité du séminaire. Amélie, quant à elle, est en troisième année dans le même laboratoire, mais elle intervient grâce au robot de téléprésence BIM. Quant à Dorothée et Morgane, elles sont in situ. L'une est en troisième année au laboratoire ECP, un laboratoire de sciences de l'éducation, et Morgane est en deuxième année au laboratoire ICAR. L'activité collaborative impliquée par la configuration spécifique de ce séminaire que vous voyez ici, ainsi que les entretiens réflexifs, nous permettent de relever ces processus de socialisation et de construction identitaire. Je vais tenter de dresser rapidement un portrait de ces 4 participants. Petit souci. Alors, vous remarquerez, je m'appuie sur des verbatims, je les ai traduits en espagnol
mais j'ai laissé le français parce que je fais une analyse qui n'a pas forcément le même sens dans la traduction. Dans le cas de Yigong, doctorant in situ en première année, le séminaire apparaît comme une expérience scientifique nouvelle, comme le montre l'extrait du verbatim affiché. Dans son discours réflexif, le « on » apparaît peu, au profit d'un « je » ou d'une troisième personne, d'un pluriel lexicalisé, les autres chercheurs, d'autres personnes. Cela l'oppose aux autres membres du groupe, ce qui peut témoigner d'une difficulté à se représenter le groupe comme un groupe de pairs. Pour autant, dans ce séminaire, il s'agit de faire quelque chose ensemble, selon lui. Le doctorant indique son implication dans l'action commune entreprise. Il lexicalise son entrée en recherche, parle de la découverte, d'explorer un peu, se positionne en tant qu'apprenti. Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vraiment compris. Mais il affirme son intérêt, je garde toujours la curiosité. Il prend donc, à notre avis, la posture d'un novice, mais actif et impliqué. Comme les sujets abordés ne sont pas directement ceux de son sujet de thèse, puisque à l'époque il préparait une thèse sur la littératie numérique dans le contexte éducatif chinois, les échanges l'ont amené à effectuer des recherches sur Internet en direct pendant le séminaire, ce qui a parfois limité sa participation pour privilégier la prise de notes, qu'il conçoit, lui, comme un outil de formation et essentiel pour sa participation. Ses choix l'amènent dans l'entretien réflexif à questionner la nature de sa participation au séminaire, ou plutôt la perception que les autres membres du groupe ont de lui, pour revendiquer de fait son appartenance, comme le montrent les deux verbatims affichés. Ici, le doctorant ne perçoit pas la validation par les autres de son identité de membre du groupe. Dans ces deux extraits, l'étudiant questionne sa participation et s'engage dans un processus de légitimation par la revendication de ce que Wenger appelle une participation périphérique légitime. Pour lui, cette participation est avant tout liée à une activité personnelle, prise de notes, recherche, réflexion, et s'oppose à une prise de parole qu'il sent pourtant comme la première activité légitime reconnue dans le groupe. Une première posture repérable dans les entretiens, et que nous appelons posture de légitimité institutionnelle, se place sur un axe présent-non présent. Elle se résume dans la perception par soi et par les autres de sa légitimité dans le groupe. Dans le cas d'Yigong, cette présence apparaît comme problématique à ses yeux. La posture d'Amélie au sein du séminaire se construit de manière tout à fait différente pour deux raisons essentielles. En troisième année de thèse, Amélie travaille déjà sur les robots de téléprésence et va participer à toutes les séances via le robot BIM. Dans l'entretien réflexif, elle revient sur les difficultés de la participation via ce robot et sur les stratégies qu'elle a dû mettre en place pour être présente et participer malgré les difficultés techniques. En expliquant d'abord ne pas avoir de problème et être capable de mettre en place des stratégies de résolution de problèmes, elle revendique ainsi sa compétence technique. La posture d'Amélie dans le séminaire tient donc beaucoup à sa présence artefactuelle. Dans son entretien, un rapport dialogique « je, on » apparaît dans son discours. La première raison est l'isolement distanciel du « je », le « on » renvoyant au groupe physiquement présent dans la salle du séminaire. Il s'agit d'un isolement dans le dispositif de recherche par la présence artefactuelle. On s'adresse quand même beaucoup à moi en disant « le robot ». Et elle est à la merci de ce « on ». On me donne la parole, on m'interpelle moi et j'ai rien à dire. Le dispositif de téléprésence donne les moyens à la doctorante de s'engager, mais comporte deux risques corrélés, l'isolement du groupe et la surexposition par rapport à la place que l'on souhaite prendre. La figure de Dorothée est en quelques points similaire à celle d'Amélie. Elle aussi, en troisième année de thèse, elle est une spécialiste des robots de téléprésence. Sa recherche porte sur les usages éducatifs, mais elle est pour sa part une participante in situ. Une des stratégies employées par Dorothée pour participer au séminaire est de s'attribuer un rôle dans la gestion du dispositif technique de téléprésence. Ainsi, dans son entretien, la doctorante revendique une expertise technique liée à la manipulation du robot BIM. Elle peut, dit-elle, soit faire des choses concrètement, soit faire des propositions. Il s'agit aussi d'une compétence scientifique, puisqu'elle est tirée d'un travail doctoral. Mais surtout, dans la tenue du séminaire, elle s'assigne une mission, celle de gérer la webcam télécommandée qui sert à diffuser le son et l'image de la salle à Lyon aux participants à distance. Dans son entretien, Dorothée revient d'abord sur les difficultés liées à la charge attentionnelle provoquée par la manipulation de cet artefact, ce qui l'empêche au départ de suivre le séminaire.
Mais par la suite, à travers une habituation technique, la webcam devient alors comme un troisième œil. Dorothée se positionne clairement dans un groupe de pairs. Dans son discours réflexif, le « on » est utilisé quasi systématiquement de manière inclusive, comme un « nous », de manière à insister sur la cohésion du groupe. On est entre nous, on ne se gêne pas, quoi. On se connaît bien. Je me rappelle qu'on était soulagés. L'appartenance au groupe se constitue notamment sur le plan affectif. Dans le discours de la chercheuse, émerge une posture relative à un savoir épistémique, celui lié aux artefacts, qui lui permet de revendiquer sa place dans la discussion scientifique. La posture identitaire est thématisée dans son discours sur un axe compétent, non compétent. Enfin, la dernière étudiante, dans le projet Présence numérique, Morgane a le statut d'assistante de recherche auprès de l'organisatrice du séminaire qui dirige aussi sa thèse de doctorat. Dans son discours réflexif, Morgane utilise le pronom « on » de manière extrêmement variée. Cette prolifération du « on » et de ses références dans le discours montre une participante qui construit son identité dans l'appartenance à divers groupes correspondant à divers rôles qu'elle prend au cours du processus de recherche. Ces échanges illustrent également le processus de création d'une équipe de travail et de coopération. Morgane est au centre de ce système d'échange entre plusieurs groupes. Par ailleurs, elle adopte une posture identitaire marquée du côté de la coopération et de la confiance. Ce rôle apparaît dans son discours à travers de nombreuses références aux autres membres. Comme le montre l'extrait 1, sa posture identitaire met en avant la dimension relationnelle et elle place l'identité doctorale sur un axe fiable, non fiable, celui de ce que j'appelle une légitimité pragmatique. Elle revendique auprès des autres cette fiabilité, ou pour le moins s'inquiète surtout de sa capacité à être fiable et à être perçue comme telle. Elle se place donc du côté de la relation, revendiquant compétence et confiance à la fois. Mais cette posture ne se construit pas toujours dans l'harmonie. En effet, on voit également apparaître chez elle une figure idéalisée, de la chercheure, capable de participer à la discussion scientifique, d'imposer sa parole et son savoir. Or, comme le montre l'extrait 2, cette figure idéalisée minimise la partie technique et matérielle de la recherche qui incombe à la jeune chercheure dans le projet. Ainsi, mais je vais aller très très vite sur ce tableau que je n'ai pas traduit, nous pouvons constater à travers ces quelques illustrations que ce format de séminaire polyartefacté invite à l'appropriation de compétences diverses en recherche, technique, scientifique et de collaboration. Dans leur mise en œuvre, il s'agit toujours de compétences d'adaptation aux situations. Les instanciations repérées du pronom « on » correspondent à un positionnement du « je » par rapport au groupe de chercheurs que synthétise le tableau suivant. Les participants se positionnent à l'intérieur ou en dehors, ce qui correspond aussi à des rôles et à des identités. S'inscrire dans cette situation de travail collaboratif consiste bien en la construction de liens avec les autres. Des liens par lesquels le ou la jeune chercheur définit sa position dans le groupe et à l'égard de sa propre formation. Cette inclusion dans un collectif implique son corollaire, la reconnaissance par les autres d'une identité. Dans ce schéma, pour finir, je voudrais synthétiser les trois postures de légitimité que nous avons repérées. Tout d'abord, être présent, c'est notamment pouvoir défendre cette légitimité. Dans le cadre participatif des interactions polyartefactées, les modes de présence se diversifient. Et la posture de légitimité passe par l'affirmation de compétences sociotechniques qui permettent à la fois de se rendre présent aux autres dans une posture égocentrée, de rendre présent tous les membres du groupe à soi-même dans une posture exocentrée, ou encore par une posture à l'interface entre les groupes. Une posture interfacielle. Ces trois postures se combinent la plupart du temps dans la dynamique de l'interaction polyartefactée. La légitimité présentielle se construit dans un rapport aux autres qui peut être plus ou moins artefacté, mais qui se construit toujours en rapport avec les artefacts impliqués dans la situation. Il y a bien sûr une posture fondée sur la légitimité scientifique, mais celle-ci nous apparaît comme la moins spécifique à la situation, donc je vais passer assez rapidement. Enfin, une dernière posture de légitimité met en avant sa capacité à agir dans la situation artefactée. Cette posture est avant tout pragmatique et relève d'une capacité à agir.
En conclusion, je dirais que le genre du séminaire et ses attendus dans un champ professionnel sont renouvelés par sa dimension polyartefactée, permettant la présence à distance et ouvrant des espaces pour des cadres participatifs complexes. On a ainsi remarqué que le dispositif pouvait favoriser la co-construction de la coopération au service du groupe, la construction de routines de travail dans la coordination et l'élaboration étayée de compétences en recherche, notamment par la réflexivité. Il faut noter la particularité d'un tel projet de recherche où les acteurs et les actrices entrent dans des jeux d'auto-analyse à la première et à la seconde personne. Cela permet une formation des acteurs et des actrices à l'activité subjectivante qui nous semble particulièrement propice à la construction d'un éthos critique et éthique. Enfin, il faut aussi retenir le fait que le séminaire est une épreuve où la jeune chercheur est tout sauf en sécurité ontologique et qui implique la création de lieux de sécurité affective. Et par conséquent, l'importance d'espace de reconnaissance par les autres et par soi-même de son identité de chercheur. Merci pour votre attention. Muchas gracias a vos, doctora. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Bueno, y pasamos a, entonces a la última exposición que está a cargo de Quoc Hua Chao Chao de la Universidad de Costa Rica, como dije antes, que va a presentar el trabajo titulado El impacto de la retroalimentación ofrecida por pares a través de blogs y de la retroalimentación de pares capacitados en la precisión y calidad de la escritura en la enseñanza de una segunda lengua. Adelante. Bonjour, merci pour la présentation. J'aimerais aussi remercier les organisateurs de ce congrès. Ici, il s'agit d'une recherche qu'on a faite, mes collègues du Canada, Maria Lourdes Lira González et Hossein Nassaï. Ce sont des collègues qu'on a travaillé ensemble pour faire cette recherche. Le titre de ma présentation, de ma communication, ce serait « L'impact de la rétraction par le pair entraîné au moyen d'un bloc pour améliorer l'écriture en français langue seconde ». Donc, le plan de la présentation, je vais présenter rapidement la problématique, un peu les cadres théoriques, la méthode qu'on a utilisée, les résultats, les principaux résultats et finalement la discussion et les conclusions. Donc, pour la problématique, on sait que les différentes recherches ont montré que le bloc offrait aux apprenants d'une langue seconde un environnement authentique pour partager leur production écrite avec leurs lecteurs. Et aussi, ça permet de recevoir de la rétraction et de promouvoir l'exactitude grammaticale de leur travail. Donc, c'est ainsi qu'on a formulé comme question de la recherche. Quel est l'impact de la rétraction par le pair, médiée par un bloc, sur l'exactitude de l'accord grammatical? L'impact de la rétraction par le pair, médiée par un bloc, sur l'exactitude de l'accord grammatical diffère du groupe d'étudiants entraînés de ceux sans entraînement? Et quelles sont les perceptions des étudiants entraînés et sans entraînement par rapport à la rétraction par le pair, médiée par un bloc? Donc, notre cadre conceptuel, cadre théorique, on a essayé de définir le concept de rétraction corrective. La rétraction corrective, il s'agit d'une information qu'on propose aux apprenants pour leur indiquer qu'il y a une erreur, pour signaler qu'il y a une erreur dans leur texte ou dans leur production écrite. Donc, il y a différents types de rétraction corrective. On a, par exemple, la rétraction corrective directe, c'est lorsque on corrige l'erreur directement en donnant aux apprenants la forme correcte. Il y a aussi la rétraction indirecte. La rétraction corrective indirecte, il s'agit de signaler l'erreur sans faire une correction explicite de l'erreur. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser, par exemple, des codes de correction ou justement signaler l'erreur dans le paragraphe ou, par exemple, marquer le nombre d'erreurs en marge du texte. Donc, il y a différentes techniques pour faire la rétraction corrective indirecte. Et aussi, on peut avoir, par exemple, de la rétraction ciblée et de la rétraction
non ciblée. La rétraction ciblée, il s'agit de cibler un petit nombre d'erreurs dans le texte. Par exemple, on pourrait cibler, par exemple, les erreurs par rapport aux accords ou les erreurs par rapport à la syntaxe ou à la ponctuation. Et la rétraction non ciblée, ça veut dire qu'on corrige toutes les erreurs du texte. Après, la rétraction par le pair, c'est lorsque les pairs, les autres étudiants, les camarades, interviennent dans la correction des erreurs de procès écrites des étudiants. Donc, ça, c'est quelques concepts importants qu'on va retenir pour cette recherche. La méthode, la méthodologie qu'on a utilisée, il s'agissait plutôt d'une recherche quasi expérimentale. On a fait la recherche à l'Université du Costa Rica. L'Université du Costa Rica, c'est une université publique. Cette recherche a été faite avant la pandémie, c'était en 2019. On a fait la collecte de données et tout pendant le premier semestre de l'année 2019. Et il y avait 35 étudiants qui ont participé à la recherche et deux professeurs des cours de grammaire qui ont participé à la recherche. Les étudiants, ça correspondait à peu près au niveau B1. Ils ont déjà fait une année de français intensif, la première année, avec à peu près 300 heures de cours. Et la deuxième année, ça, c'est le premier semestre qu'on a fait la collecte de données. Donc, c'est pour ça qu'on situe les étudiants au niveau B1. Donc, les étudiants, on les a divisés en trois groupes. Il y avait un groupe qui avait suivi un entraînement pour donner de la rétraction. Donc, le groupe qui avait suivi un entraînement, donc, c'est un groupe qui était formé pour fournir de la rétraction aux autres camarades, aux pairs. Hein, donc, ils ont eu quelques séances avant de commencer la recherche au mois de mars pour le former dans les différentes stratégies pour donner une rétraction à leurs pairs. Après, il y avait les groupes sans entraînement, c'était un autre groupe d'étudiants qui n'a pas eu l'entraînement pour la rétraction, sinon c'était justement une explication générale sur ce que c'était la rétraction corrective. Donc, ce groupe-là, ils n'ont pas eu un entraînement pour la rétraction. Après, le groupe contrôle, c'était le groupe qui n'a pas eu de la rétraction par le pair. Sinon, ce qu'ils ont fait, c'était faire une autocorrection de leur travaux. Hein, donc, ils avaient une grille d'autocorrection. Hein, donc, il y avait une grille qui les guidait pour la correction, mais ils n'ont pas eu la rétraction corrective de leur pair. Donc, les trois groupes, c'était le groupe avec entraînement, c'était 12 étudiants. Le groupe sans entraînement, c'était à peu près 12 aussi. Et le groupe contrôle, c'était, je crois que c'était 11. Donc, comme je viens de vous dire, la recherche, on avait commencé en 2019, le premier semestre. Le premier mois, c'était l'entraînement pour le groupe qui devait faire la rétraction corrective pour leurs camarades qui avaient eu l'entraînement. Et après, les autres groupes n'ont pas eu d'entraînement, sinon c'était justement une explication générale et les groupes contrôle qui avaient corrigé tout seul leur travaux à partir d'une grille d'autocorrection. Donc, à partir du mois d'avril, donc, ils devaient écrire leur proxy écrite. Donc, il y avait la première proxy écrite, c'était au mois d'avril. Ce qu'ils devaient faire, ils devaient écrire une proxy écrite de 200 à 250 mots. Et le thème de cette première proxy, c'était avantages et inconvénients de la vie à la campagne. Et donc, ils ont fait la proxy écrite dans un bloc qui était dans la plateforme institutionnelle. Donc, on utilisait déjà dans les cours une plateforme institutionnelle. Donc, les étudiants ont écrit la composition dans ce bloc. Donc, après cette première version de la proxy écrite, ils ont eu leurs camarades, ils ont eu une semaine pour faire de la rétraction, pour faire la correction.
de cette première version. Après ça, donc, les étudiants ont reçu la correction de leurs camarades. Et après, ils ont fait la correction de leur composition à partir de la rétraction donnée par le camarade, sauf les groupes contrôle. Le groupe contrôle, ils ont fait la correction à partir de la grille, en se guidant à partir d'une grille de correction. Et après, on a répété la même démarche pour la deuxième composition avec le thème « Avantages et inconvénients de la technologie » et la même démarche avec la troisième composition « Avantages et inconvénients du recyclage ». Et bon, les étudiants devaient cibler surtout tout ce qui concernait les accords. Hein, donc, ça, c'était les structures ciblées. Et après ça, à la fin de la recherche, au mois de juillet, donc, on invitait quelques étudiants de chaque groupe à participer à un entretien d'explicitation où vous devez expliquer leur expérience par rapport à la rétraction reçue par rapport à l'expérience qu'ils ont eue avec cette façon de travailler. Donc, on avait ciblé 6 étudiants du groupe entraîné, 6 étudiants du groupe non entraîné et 6 étudiants du groupe contrôle qui avaient participé à l'entretien d'explicitation. Donc, il y avait des données quantitatives et qualitatives qui étaient analysées. Pour les données quantitatives, on a fait une analyse statistique de Kikaré pour analyser le nombre d'erreurs et le nombre de corrections effectuées par les étudiants. Après, il y avait aussi une analyse de contenu par rapport aux données qu'on avait collectées à partir de l'entretien d'explicitation. Donc, après, les erreurs étaient regroupées en 3 catégories, les accords du nom, les accords du déterminant, après les accords du pronom. Et les corrections des étudiants, on les a analysées selon les catégories de Ferris, selon cet auteur. Donc, les étudiants pouvaient, par exemple, avoir une correction de l'erreur et corriger l'erreur ou à partir de la correction, remplacer l'erreur de façon correcte ou de façon incorrecte, ainsi de suite. Donc, Ferris est proposé une classification de 8 catégories de correction. Après, les types de stratégies de rétraction corrective utilisées ont été adaptées de Gennett. Donc, c'est une classification qu'on a faite par rapport aux rétractions que les étudiants ont données à leur père. Donc, on est classé selon la catégorie de Gennett, où cet auteur disait, bon, il y avait la correction directe, indirecte, si c'est direct, est-ce qu'il y avait des commentaires ou sans commentaires, ou si c'était justement une identification de l'erreur. Si c'est indirect, est-ce qu'on utilise des codes ou signalements ou avec des commentaires métalinguistiques, ainsi de suite. Donc, on a fait une classification de toutes les rétractions reçues par les étudiants de leur père. Donc, à partir de ça, donc, on a fait une analyse statistique des erreurs. Donc, on a vu que, par exemple, le groupe contrôle pour la première version, et c'était à peu près une centaine d'erreurs, la même situation pour les groupes non entraînés. Et après, le groupe qui a eu l'entraînement, c'était le groupe qui a commis plus d'erreurs. Et après, pour la version corrigée, par exemple, pour toutes les 3 compositions, la version corrigée. Évidemment, le groupe contrôle, c'était le groupe qui a corrigé moins d'erreurs par rapport au groupe qui a eu l'entraînement, qui a fait plus de corrections. Donc, ça c'est, on voit que, par exemple, le groupe qui a eu l'entraînement, c'était le groupe qui a pu corriger plus d'erreurs par rapport au groupe contrôle qui n'a pas eu la rétraction par le pair. Mais disons pour les groupes qui a eu l'entraînement et les groupes qui n'a sans entraînement, c'est à peu près
le même nombre. Ce n'était pas significatif les résultats qu'on a obtenus pour les groupes sans entraînement et les groupes qui ont eu l'entraînement. Mais il y avait des résultats assez significatifs par rapport au groupe contrôle. Après ça, c'est l'évolution de chaque groupe d'étudiants pour les trois compositions. Donc, on voit aussi qu'une autre fois, les groupes qui ont eu l'entraînement, c'était les groupes qui ont pu faire plus de corrections dans les trois compositions. Les groupes qui n'ont pas eu d'entraînement aussi ont fait pas mal de corrections, à différence du groupe contrôle qui a eu plus de difficultés pour corriger leurs erreurs. Et après, au niveau des accords, donc l'accord avec le déterminant, ça c'était le type d'erreur qu'on voyait le plus souvent dans les textes des participants. Et après, c'était les accords avec le nom et finalement les accords avec le pronom. Donc, par rapport aux perceptions des étudiants, par rapport aux résultats qu'on a obtenu à partir de l'entretien d'explicitation selon les verbatims des étudiants. Les étudiants percevaient que, par exemple, les avantages, les principaux avantages de la rétroaction, c'est par exemple que les camarades pouvaient lire leur rédaction, pas seulement le professeur, c'était pas stressant, hein, c'était plus relaxé, hein, parce que c'était les pairs qui faisaient la correction, c'était pas le professeur qui le faisait. C'était plus facile, par exemple, d'utiliser un bloc pour écrire que faire l'écriture sur un papier. Et ça permettait aussi un travail collaboratif. Hein. Donc, il y avait des camarades qui apportaient des corrections et après, ils faisaient des corrections à partir des commentaires ou des rétractions faites par les camarades. Et aussi, comme ils pouvaient écrire sur un bloc, donc ils pouvaient utiliser les différents outils d'édition d'un texte et les différentes ressources d'Internet. Ça, c'était les principaux avantages qu'ils avaient trouvés par rapport aux rétractions correctives faites par leurs pairs. Et après, les inconvénients, c'était surtout des problèmes techniques, par exemple des difficultés pour la connexion à Internet ou parfois le logiciel qu'ils utilisaient, c'était compliqué, mais c'était surtout des difficultés techniques. Après, aussi, d'autres perceptions liées à la perception des étudiants par rapport aux sentiments qu'ils avaient au moment de faire la rétraction. Donc, ils disaient que, par exemple, ils avaient peur de blesser les sentiments de leurs camarades au moment de fournir la rétraction. Et aussi, il y avait, par exemple, des méfiances par rapport aux habitudes de leurs camarades pour signaler les erreurs parce qu'ils étaient habitués que les professeurs signalent leurs erreurs. C'était la première fois que les camarades proposaient de rétraction aux autres. Donc, ils avaient peur aussi de faire confiance aux corrections de leurs camarades. Et aussi, il y avait des commentaires, ils se méfiaient aussi des commentaires de leurs camarades. Et il y avait aussi des perceptions qui disaient que l'enseignant était la seule personne qui avait suffisamment de connaissances pour faire des corrections de leur travail. Après, par rapport aux discussions et aux principales conclusions de cette recherche, donc les résultats ont montré que les deux groupes d'étudiants, surtout les groupes d'étudiants qui ont eu l'entraînement et les groupes d'étudiants qui n'ont pas eu l'entraînement, ont obtenu de meilleurs résultats sur l'exactitude de l'accord grammatical que le groupe contrôle qui n'a pas eu la rétraction de leurs camarades. Et ça rejoint un peu aux résultats trouvés par d'autres auteurs où ils disaient que les étudiants pouvaient apprendre plus sur l'écriture et la correction à partir de l'analyse qu'ils faisaient de leurs forces et de faiblesses par rapport à la procédure écrite. Après aussi, on avait identifié que les erreurs dans les accords du nom et les déterminants étaient
les erreurs les plus fréquentes qui étaient pour les trois groupes. Et ça rejoint un peu aussi aux résultats obtenus par d'autres auteurs qui avaient dit que, par exemple, l'accord, c'était l'acquisition de l'accord grammatical, c'était quelque chose de très complexe et difficile parce que le système de conjugaison du français, c'est très complexe. Après, savoir le genre, si c'est masculin ou féminin, ce n'est pas évident pour les apprenants du français comme langue seconde ou langue étrangère. Et après, il y avait la question de la présence de la morphologie silencieuse, par exemple, les marques des pluriels, les marques du féminin. Ça, à l'oral, on ne les entend pas, mais à l'écrit, on les voit. Donc, ça, ce sont des difficultés que les apprenants doivent faire face au moment d'acquérir le français comme langue seconde ou langue étrangère. Et après, à différence de la recherche de Beck, où il avait trouvé que les étudiants qui ont eu l'entraînement avaient énormément amélioré leur écriture, pour notre cas, on a trouvé que les résultats du groupe entraîné et du groupe sans entraînement, c'était à peu près le même résultat, ce n'était pas assez significatif. Et ça peut s'expliquer parce que pour le cas de Beck, il avait suivi, il avait respecté les 11 étapes de la rétraction avec l'entraînement. Donc, nous, on avait justement fait 8 étapes parce que pour une question de temps, on ne pouvait pas faire les dernières étapes. Donc, on trouvait que c'était pour ça qu'on avait eu quelques différences par rapport à la recherche de Beck. Et après, aussi, les étudiants ont mentionné l'importance de la rétraction par le pair à travers le bloc, car il permettait qu'ils expérimentent avec leur langue, de s'exprimer librement, de fournir une rétraction corrective dans un contexte de confiance, malgré, disons, qu'il y avait aussi des étudiants qui disaient qu'ils ne faisaient pas tellement confiance à leurs habiletés de corriger les erreurs des autres camarades. Et après, la taille de l'échantillon qu'on avait utilisé, ça limitait un peu pour faire une analyse en profondeur des principaux résultats obtenus parce qu'on avait travaillé justement avec 35 étudiants. On aurait pu avoir plus d'étudiants, mais au Costa Rica, mais dans le contexte de 2019, il y avait seulement deux groupes qui avaient accepté de participer à la recherche. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir plus d'étudiants qui avaient participé à cette recherche. Donc, merci, c'est ça. Muchas gracias, Quoc. Muy interesante también. Bueno, si les parece, ahora habilitamos un momento para comentarios, para preguntas sobre las exposiciones. No sé si han anotado algo. Yo tengo una para Jean-François, que ahora la pego acá. Vamos a ver si funciona. Ariel dit, Jean-François, qu'il a une question pour toi. Oui, ok. Si moi j'ai une question ou... Non, et lui, il a une question à te poser. J'écoute. Il va te l'écrire par le chat. Ah, ok. Un minuto. Bueno, ahí la pegué, ahora te pregunto en castellano, Jean-François, es una pregunta para vos, pero por extensión, por ahí también para Arnaud, Viviana y Quoc, aunque, bueno, entiendo que no cabe específicamente a las experiencias y a las investigaciones que acaban de contar. Por mi trabajo docente me pareció particularmente la experiencia que presentás, la investigación que presentás,
en relación con el pensamiento de Yves Citton, que está citado en el resumen y que lo mencionaste como marco general al principio de la exposición. Me acordaba que Yves Citton dedica uno de los capítulos del libro Ecología de la Atención, que es el que está citado, a pensar la atención conjunta y habla de situaciones de coatención presencial que están caracterizadas por el hecho de que varias personas son conscientes de la presencia de otras personas e interactúan de manera simultánea en función de la percepción de la atención de los otros participantes del mismo espacio, en el mismo tiempo, y que bueno, justamente esta coatención presencial tiene que ver y está limitada por el espacio, el tiempo y el número de participantes involucrados. Y entre los principios de esta coatención presencial habla del principio de reciprocidad, la idea de que la atención debe poder circular bidireccionalmente entre las partes involucradas. Y bueno, al leer el resumen de tu presentación y escucharte y luego ver las imágenes, sé que lo que presentaste no va exactamente para ese lado, pero me pareció particularmente interesante observar cómo dialogan estas ideas de coatención presencial y de reciprocidad, de principio de reciprocidad, con la experiencia que contás cuando el espacio no es compartido por todos los estudiantes. Simplemente quería saber si has trabajado particularmente a partir de estos conceptos en la investigación y qué cuestiones podés, no sé, concluir al respecto. Ok, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je ne me suis pas attardé. Déjà, j'ai fait une présentation un peu trop dense, mais c'est un des... En fait, ce que je vous ai présenté a été écrit dans un chapitre d'un ouvrage issu de cette recherche. Et donc, et moi, je me suis aussi occupé d'un autre chapitre, justement, sur l'attention. Et du coup, on s'est vraiment intéressé à ces processus attentionnels qui permettent la coprésence malgré la non-réciprocité. Et donc, en fait, ce dont dépend l'attention conjointe, c'est comme on ne peut pas s'appuyer sur un principe de réciprocité, il faut instruire d'autres modes de vigilance attentionnelle. Je vais m'expliquer. Du coup, par exemple, on peut, là par exemple, dans notre conversation, on a des signes de l'attention des autres par le visage, les mouvements, les gestes, les postures. Il y a une des personnes que je salue dont on n'a pas l'image et du coup c'est plus difficile de construire cette attention conjointe. Et en fait, dans notre séminaire, c'est constamment que la non-réciprocité de la perception questionne en fait l'attention des autres à ce qui se passe, à l'activité conjointe, mais c'est aussi l'attention. Et donc, du coup, on doit en fait installer des vigilances différentes. En fait, il y a un ouvrage, moi, de Livette qui m'a beaucoup inspiré. Et il parle et lui, il ne parle pas de situation de artefactée forcément, mais il dit que l'attention passe par de la vigilance attentionnelle et des négligences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire attention à tout, même dans une situation non artefactée, mais a fortiori lorsqu'il y a beaucoup d'artefacts qui permettent la coprésence à distance. On ne peut pas être vigilant à tout, donc il faut construire en fait un réseau de vigilance par une équipe de travail. Donc on s'est rendu compte en fait, en analysant les séances de séminaire, que certains prenaient ces rôles-là, comme de sentinelle, de vigilant à la présence d'autres ou aux objets qui, et puis d'autres prenaient en charge par la coopération les artefacts qui permettaient la présence ou les outils techniques, par exemple la caméra, le micro, etc. Et donc du coup en fait, comme je l'ai montré dans mon petit schéma avec les cercles rouges et le triangle bleu, en fait se construit constamment et dans la dynamique des interactions des réseaux de vigilance qui vont pallier en fait les négligences qu'on doit assumer, en fait. Pour prendre un exemple, si dans le séminaire, vous avez un conférencier qui parle,
Certains vont s'occuper de faire en sorte que le conférencier puisse parler et, les, et que tout le monde puisse écouter. Et donc, d'autres vont être vigilants au fait que ceux qui sont à distance vont pouvoir écouter, vont pouvoir voir ce qu'il se voit au tableau. Et donc, du coup, en fait, c'est la construction de... C'est en fait cet objectif commun autour d'une conférence, autour d'une séance de travail qui va construire, qui va construire le réseau de l'attention. Voilà, ce réseau, en fait, à la fois humain et matériel, qui va permettre l'action conjointe. Donc nous, c'est ce qu'on a étudié dans un chapitre. Et petit à petit, dans l'habituation de la situation, en fait, ce réseau de vigilance, il devient, cette vigilance, elle devient, on a dit, transindividuelle. En fait, pas interindividuelle parce que ce n'est pas aussi fort que ça, mais en fait, on va être vigilant à quelques petits signes que l'autre va produire et qui vont qui vont faire une chaîne, une chaîne de vigilance. Voilà comment je pourrais. Et donc, on voit que, si je reviens sur ma présentation, c'est aussi ces rôles-là, par les artefacts, qui fait que chaque participant peut prendre des rôles constamment négociés dans la situation, et que c'est plus engageant pour des doctorants dans un projet de recherche de pouvoir, quelles que soient ses compétences, pouvoir se saisir de rôle dans l'équipe de travail. Donc, par rapport à d'autres séminaires que moi j'ai pu suivre, où on a un conférencier et puis ensuite une assistance, les doctorants se trouvent beaucoup plus impliqués dans la gestion justement de l'activité collective. Bueno, gracias, Jean-François. No entendí absolutamente todo, pero voy a volver a mirar la grabación porque la verdad que me parece muy interesante. Gracias. Et gracias. puisque j'ai une question, le micro, est-ce que je peux poser une question à mes collègues j'ai déjà apprécié énormément vos deux présentations. J'avais une question sur la démarche clinique. Pas tellement sur la démarche clinique, mais en fait, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que ça interroge nos manières de faire. Moi, en tant que tuteur de mémoire, je suis très, très intéressé par votre discours. Et moi, j'ai souvent un discours plus technique ou plus scientifique. Et en fait, j'ai remarqué que vous étiez très attentif justement aux relations, en fait, aux liens qui se nouent. En fait, ce qui m'intéressait, c'est plutôt une remarque, c'est l'idée que la distance, en fait, les artefacts qui permettent de communiquer à distance ou les interfaces, les outils, faisaient parfois entrer, ou plutôt que dans la relation du tutorat, il y a plusieurs espaces relationnels qui se construisent ensemble. Je pensais, pour être plus précis, à l'espace intime. Par exemple, dans les derniers dossiers de master que j'ai pu lire, certains étudiants me faisaient des remarques sur leur difficulté à écrire le dossier parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient certaines difficultés personnelles. Je suis toujours étonné que l'espace de l'intimité émerge dans ce genre de situation. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que les échanges en visio, finalement, c'est là que l'intime, l'espace de l'intime s'impose plus, il est moins négocié que, me paraît-il, et plus perturbant que, par exemple, le premier mail que vous évoquiez de la personne qui vous sollicitait pour une thèse sans vous connaître. Je voulais votre réaction sur les effets des outils numériques, notamment vidéo, sur l'émergence de l'espace intime dans la relation de tutorat. J'espère que ma question elle est claire.
Viviana, tu veux répondre? Non, c'est à toi, c'est à toi si tu veux d'abord. Oui, de répondre. Merci à vous aussi parce que j'ai été très intéressé par les deux présentations et je trouvais qu'avec la deuxième présentation, j'ai pris des notes parce qu'il me semble qu'il y a des points de proximité qui me semblaient très évidents, notamment sur la question de la co-construction, de la coopération, des liens de proximité, pas entre nos communications aujourd'hui peut-être, même si probablement sur d'autres choses, mais en tout cas sur ces questions de co-construction, de coopération et d'activité subjectivante, par exemple, je trouvais qu'il y avait des choses qui, moi, m'intéressaient beaucoup concernant mes pratiques dans les enseignements à distance avec des groupes. Parce que pour le coup, ce qu'on a présenté, il n'y avait pas de dimension groupale, c'était des relations inter-individuelles et il n'y avait pas de dimension groupale. Bon, voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant par rapport à la question de la groupalité. Moi, ça m'interrogeait sur. Je vous réponds par des questions, c'est pas mal, mais je vais revenir à votre question après. Ça m'interrogeait sur les dynamiques groupales à l'œuvre avec le robot de téléprésence. On pourrait pas parler de dynamique groupale avec le robot, mais en tout cas avec. La personne dont j'ai oublié le prénom, je crois que c'était Amélie, non, qui était, elle, Amélie. À distance. Amélie. Amélie, qui était absente du groupe, mais présente à distance. Enfin, je trouve que sur la question de la groupalité, ça m'interroge beaucoup et je trouve que ça serait assez intéressant à questionner de ce côté-là. Bon, voilà, donc, mes points d'intérêt. Oui, alors sur la question des effets des outils vidéo sur l'accompagnement, moi, d'abord, vous avez compris, on n'est pas spécialiste, ni Viviana ni moi, du numérique, mais on est plutôt centré sur les questions de lien, là, dans notre travail, et puis par rapport pour nos autres recherches aussi, sur les questions de relations éducatives, de relations pédagogiques, de liens. Là, on parle de liens d'accompagnement, bon, voilà, sur la question d'intersubjectivité, et on s'est intéressé au numérique. À la fois parce qu'on y est venu l'un et l'autre dans les formations dans lesquelles on intervient, et puis aussi un peu en lien avec le contexte de pandémie, comme tout le monde. Et ça nous a beaucoup interrogés, voilà, cette proposition, on l'avait faite avant la pandémie. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vraiment, moi, il me semble très important de distinguer l'usage du numérique pendant la pandémie, et encore, il faudrait distinguer les moments de la pandémie. C'est pour ça que, par exemple, le numérique, pendant les confinements et notamment pendant le premier confinement, je pense qu'il y a une spécificité liée au contexte puisque, en fait, c'était l'usage du numérique pour pouvoir continuer à travailler, à penser et à accompagner les étudiants à être ensemble alors qu'on était dans des situations de fermeture et de repli sur la cellule familiale. Enfin, moi, pour la plupart d'entre nous, ou la solitude pour certains étudiants, des espaces très fermés. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer le numérique pendant la pandémie et les moments de la pandémie de l'usage du numérique dans d'autres moments. C'est vraiment très important de prendre en compte cet élément de contexte parce que le numérique, là, ça n'était pas un choix, ça s'est imposé par les circonstances pendant le premier confinement. Et puis, ça a été une ressource vraiment très créative qui nous a permis de continuer à travailler avec nos étudiants. Et ça a été assez salutaire d'une certaine manière pour tout le monde, pour les étudiants et probablement pour nous aussi dans notre travail, quoi. Et voilà, bon, je pense qu'il y a cette distinction à préciser, mais ça, je crois qu'on est tous d'accord, mais ça me semble vraiment important pour penser. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez difficile aujourd'hui de retrouver un peu les états émotionnels, les pensées qui nous ont traversés, etc., de cette période-là, et pour pouvoir penser aujourd'hui ce qui s'est passé à ce moment-là, alors qu'on n'y est plus, je trouve que bon, c'est pas facile. La question de l'intime, je sais pas trop si c'est... Moi, je distingue les éléments personnels de intime, c'est-à-dire qu'effectivement, la vie personnelle a fait irruption beaucoup plus avec l'usage des outils vidéo, des interfaces web. Vous disiez tout à l'heure interface web, je crois que c'est le vocabulaire approprié, Adobe Connect ou Zoom, etc.
Là, le personnel fait irruption. L'intime, je ne sais pas, parce que l'intimité, pour moi, c'est... Enfin, j'ai lu des travaux, notamment, il y a Jean-Luc Rinaudot qui a travaillé là-dessus, sur ce qu'on montre, ce qu'on cache du personnel. Là, on voit bien, par exemple, effectivement, il y a une des participantes qui n'a pas ouvert sa vidéo. Les autres, nous, qui intervenons, on ouvre nos vidéos, mais on est deux à avoir flouté le fond, et on choisit l'endroit où on est, etc. C'est-à-dire que là, on montre une partie de notre espace personnel, mais je crois pas tellement de notre intimité, sauf que effectivement, l'intimité peut faire irruption quand il y a quelqu'un qui traverse derrière, qui traverse l'image, etc. Bon, voilà ce qui me vient là en réponse à l'idée qui était échangée. Je laisse Viviana peut-être dire quelques mots. Non, Viviana, tu veux pas... Pardon, c'est coupé un peu la connexion. Ah, je disais, je te laisse dire quelques mots si tu le souhaites. Non, c'est vrai qu'il faut différencier d'abord, je réfléchissais, je suis d'accord avec toi, par rapport à que dans les trois présentations, c'est qu'on a eu besoin de parler du contexte, et c'est dans notre cas. Non? Je pense qu'on a eu besoin de parler du contexte traversé de la pandémie. C'était pour nous nécessaire pour travailler les questions des liens pédagogiques, les liens formatifs. Je pense que même vous pourriez faire, Jean-François et Kwok, la présentation sans parler de ce qui a été traversé par la crise sanitaire. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, je trouve. Nous, on n'a pas pu parler, faire l'introduction sans dire que nos vies ont été changées, modifiées dans cette période inédite de la vie de tous les jours. D'abord, c'est ça. C'est parce que nous, notre objet de travail et de recherche, c'est les liens, c'est la relation, c'est l'intersubjectivité. Si on fait l'intersubjectivité à distance ou présentiel, c'est toujours qu'on a besoin de parler du contexte, toujours. Parce que les relations, ce sont les relations en relation à un texte et un contexte. Et ça, c'est quelque chose qui était étonnant de nos trois présentations. Nous avons eu besoin de parler de la crise sanitaire et comment tout cela a modifié, infléchi notre travail de directeur, de professionnel, d'accompagnateur et accompagnatrice de TESAR. D'abord ça, je suis d'accord avec Arnaud. Et j'étais étonnée quand j'ai écouté les deux présentations. Et d'autre part aussi, je pense qu'il y a une différence, Jean-François, par rapport à l'intime et les personnels. Et il faut avancer, étudier cette différence. Moi, je pense que ça, c'est un point à suivre, hein, un point très intéressant à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Même, je pense que ça passe le même dans la relation présentielle que dans la relation virtuelle. Toujours peut interrompre l'intime et le personnel dans les deux types de relations de façon différente, mais toujours ça peut arriver. C'est ça ce que je voulais ajouter. Sur la nécessité de parler de comment on a traversé cette période, en fait, nous, notre groupe s'est intéressé à ces situations de présence à distance avant cette crise. Et donc, en fait, c'est comme si nous, on s'était mis 2 ans avant, 3 ans avant, dans une niche pour expérimenter quelque chose que tout le monde allait expérimenter ensuite. Et voilà. Et donc, du coup, c'est cette pratique sociale, en fait, maintenant, je pense qu'il y a que ces situations de séminaire artefactés vont être beaucoup plus communes, et les attitudes, les postures à l'égard de ces outils vont avoir changé. Mais par contre, ce qui m'apparaît très intéressant, c'est de continuer à réfléchir sur comment s'opère
les processus de collaboration ou de coopération pour que ne pas être soumis à des relations de frustration, justement par le fait que les autres ne sont toujours pas assez présents ou qu'on n'est pas assez présent aux autres. Et donc, du coup, comment pallier ces frustrations-là. Donc, en fait, ça rejoint, mais je suis d'accord. En tout cas, moi, j'ai trouvé des échos à votre présentation, à notre réflexion, à nous, parce qu'en fait, on s'intéresse. C'est assez... Ma situation d'intérêt, elle est technique, mais ce qui m'intéresse, c'est la collaboration et les liens qui s'installe dans cette activité commune. C'est donc la présence, les personnes, en fait, et comment ça se construit. Donc voilà. Mais j'ai apprécié c'est toujours ça, la richesse des échanges, c'est que vous, venant d'une autre perspective, vous regardez la scène avec d'autres yeux qui, moi, m'intéressent et m'apprennent des choses. Comment regarder aussi cet objet différemment? C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Vraiment, c'est ça la richesse. C'est ça. Et du coup, je peux poser une question sur le blog de Monsieur Chao. Je me posais la question sur cet espace. Est-ce qu'il était en ligne? Comment est-ce que le comment dire la le comment les interactions autour de ce sont en fait comment la rétroaction corrective se déroule sur un blog? Est-ce que ça se passe comme sur un forum? C'est comme une espèce de forum. Donc on avait déjà une plateforme institutionnelle qu'on utilisait déjà, et dans la plateforme ça permettait aussi d'avoir de proposer un blog. Donc les étudiants écrivaient dans le blog, et après les autres étudiants ils regardaient ce que les autres ont écrit, et après chaque étudiant avait une personne avec qui il devait envoyer la rétraction, donc ils commentaient directement sur le texte de leurs camarades. Donc ça s'est passé comme ça. Après ils faisaient la correction à partir des corrections, à partir de la rétraction corrective proposée par les camarades, ils envoyaient une autre fois la version corrigée du texte dans la plateforme. Donc, ça s'est passé comme ça. Et du coup, vous avez remarqué qu'entre les trois textes, parce que le dispositif, dans mon souvenir, c'est trois textes. Oui. Est-ce qu'il y a une, comment dire, une progression dans les manières de faire? Oui. Oui, il y avait le premier texte, par exemple, pour les groupes qui avaient eu l'entraînement, c'était surtout des rétractions liées à la correction explicite de l'erreur. Après, au fur et à mesure, ils employaient d'autres types de rétractions. Hein, par exemple, ils mélangeaient, par exemple, correction explicite, après, avec correction implicite, avec une rétraction indirecte ou avec des codes, où ils signalaient les erreurs avec des codes. Et après, il semblait que la dernière composition, c'était la composition où il y avait moins d'erreurs et plus de corrections. C'était ça. Et si je peux me permettre une dernière question, pour faire le lien avec, entre les trois présentations, je me demandais si, au fur et à mesure, si la personne... Est-ce que vous avez remarqué, en accompagnant les rétroactions correctives, des manières d'atténuer la face de l'autre, de protéger la face de l'autre, parce que vos étudiants vous disent j'ai peur de blesser la personne en corrigeant son texte. Est-ce que vous avez remarqué des stratégies justement pour que la relation... pour soigner la relation, en fait. Parce qu'effectivement, comme nos collègues disaient que parfois, la critique, c'était des gestes violents. Et est-ce que vous avez remarqué que, justement, il y avait cette protection aussi du lien social dans l'exercice que vous avez proposé? Oui, on avait, avant de commencer le travail de rédaction, on avait travaillé avec les étudiants, surtout les groupes qui ont eu l'entraînement, par rapport aux différentes stratégies de rétraction sans blesser l'autre. Donc, on avait fait des exercices en classe
pour leur dire que, par exemple, cette rétraction est plus efficace parce que c'est moins blessant, c'est plus constructif. Donc, on avait travaillé un peu les types de commentaires. Mais quand il s'agissait de rétractions correctives, donc c'était des corrections surtout par rapport à un type d'erreur. Donc, les commentaires qu'ils avaient faits dans la composition, c'était plutôt des commentaires plutôt genre constructif. Hein, donc, pour éviter de blesser à l'autre surtout. No sé si quieren hacer algún comentario más, alguna otra pregunta. Il nous dit s'il y a une autre question à nous poser. Gracias, Viviana. Bueno, si no, cerramos acá la mesa. Les dejo acá en el chat un enlace al programa del Congreso. Seguramente ya lo tienen, se los mandé también por correo con un nombre de usuario y una clave de acceso para entrar y ver. Las distintas aulas y las claves para ingresar a ver todas las actividades. Bueno, les agradezco mucho. Y nos les el link para continuar con el programa. Si on a envie de suivre avec le calendrier y todas las actividades. Y les agradezco mucho la participación, también la paciencia conmigo, y para mí ha sido una muy buena experiencia, así que gracias, gracias. Il nous remercie la patience avec la traduction du français et l'espagnol. Gracias merci. A vous, Ariel. Gracias a vous. Merci beaucoup. Coordinar la mesa. Muchas gracias, Ariel. Y la paciencia también. Un gusto para mí. Un gusto conocer. Merci pour ces échanges et pour les rencontres. Ça a permis. Merci, Ariel. Merci, Ariel. Muchas gracias, Ariel. Hasta luego. A ustedes.